Je travaille à la fois sur la création de macarons, de pâtisseries, de glaces. C'est vrai que j'ai un petit faible pour le macaron et cette année j'ai créé plein de nouveaux macarons sur la thématique des jardins avec en ce moment le jardin marin et d'ici quelques semaines le jardin secret. Jardin secret, rose, vanille et clou de girofle. So. Macarons, gâteaux, chocolat. Ce sont deux saveurs fétiches de la maison, deux associations de saveurs que j'ai créées et que j'ai déclinées dans plusieurs produits différents. Quand je commence à travailler sur un gâteau, sur un macaron, sur une glace, j'ai vraiment j'ai une idée précise de ce que je veux obtenir. C'est-à-dire j'ai en tête les goûts, les sensations. Après, je les mets en forme sous forme de recettes, de dessins. Après, ce sont des intuitions, c'est un mélange d'intuition et d'audace, on dira. Dans mon travail de création, à l'origine, je créais des goûts, des associations de saveurs, souvent associées à un produit. Alors, si on prend l'exemple de l'Isparan, à l'origine, c'est le gâteau, c'est macaron, crème à la rose, litchi et framboise. Et à partir de ça, j'ai créé toute une famille de produits sur cette association de saveurs Isparan. La confiture Isparan est un travail d'équipe avec Christine Ferber, qui fabrique nos confitures. Et j'avais dans l'idée qu'il fallait séparer les goûts. Ça veut dire que d'un côté, dans le pot de confiture, il y a la confiture de litchi à la rose et par-dessus la framboise. Et lorsque on l'utilise la première fois, il faut mélanger les deux. Mais si on avait mélangé les deux dès le départ, on n'aurait pas du tout le même goût. Et ça, c'est le secret de la confiture Isparan, c'est d'avoir ces deux couches dans le pot que l'on mélange à la première utilisation. So. Alors, je suis Paris, mais j'adore Tokyo et chaque fois que je vais à Tokyo, je redécouvre des choses dans cette ville. Donc, Paris d'abord, Tokyo après. Le thé matcha pour son parfum, le piment d'Espelette comme un assaisonnement. Je suis beaucoup plus inspiré par Noël que par Pâques. Pâques, c'est pour moi des figurines, des lapins, des poules, des œufs, et qui pour moi c'est pas mon territoire d'expression de prédilection. Je préfère beaucoup travailler sur les bûches de Noël, sur le goût des gâteaux de Noël. Tout, moelleux, croustillant, croquant, craquant, onctueux, toutes ces textures font partie de mon répertoire de goûts.